la vache. Tiens, prends ça. T'en veux encore? Je crois que eux aussi ils aiment pas le pain de maïs. Non, ils aiment pas le pain de maïs. Eh, salut les amis, c'est Gunty avec Jimmy, le capitaine Moumout. On est sur Alien Colonial Marine. Et ça envoie du gros pâté. Je me fais comme la gueule, quoi. Le mec me crache à la gueule. Ah, la petite attaque. Oh, ouais. Ah, Jimmy il est dans son élément, quoi. Voilà. Ah, j'adore le film après. Voilà, donc on est un fan du film et voilà, Jimmy il est dans l'élément, quoi. Je me suis... Bah vas-y, je me suis capitaine, hein. Ouais. Attends, je prends tout ce qu'il y a là, si tu veux, il y a de la vie, quoi. Ouais, je suis équipé, capitaine. Oh, ça bipote, capitaine. Oh putain. Oui, là, je lui ai une mine dans les couilles, je sais pas si t'as vu le match, Tommy, mais on s'est fait baiser. Je te veux pas dire, ouais. Oh, derrière Bella, c'est ok derrière. Bah derrière, si je fais le pire, je vais le porter. Ouais. Je check derrière, je vais fermer la marche. Oh, il était pas beau, il était dégueulasse lui. Rap, la musique. Ah ouais, c'est énorme. Des vrais tambours. Ah, putain c'est éclos ça. Mais on est où là? Et on a pas vu de reine, hein, moi, c'est ce qui m'inquiète. Hein. Devant, à droite. Tiens, prends ça. Ah putain, il me crache dessus. Ouais, je contourne par la droite. Comme la gueule. Foiré là. Ah. Je croyais que c'était un truc à looter cette chose. Ouais, il est tout qui bouille, tu t'approches. Et non, c'était juste un lampadaire. Et c'était moi le lampadaire. Hop, de la vie, de la vie. Hop. Tiens, hop. Arpente les locaux de la Welland pour sauver Bella. Ah oui, c'est ça, on cherche à sauver Bella, elle a un truc dans le bide. Ouais. Ouais, c'est Sailor Moon, t'as vu, elle a des pompons sur le... J'avais pas vu. Ouais, par contre, elle a des graines aussi. Il a coupé la bonne, il a coupé. Elle a des pompons. Ah, c'est fait à la princesse Layla, quoi. Voilà, Sailor Moon. Ah, arrête de me cut dessus, là. Où ça tire? Ah bon? T'as entendu, hein? Ouais. Alors du coup, parle-nous d'Alien Colonial Marine, Jimmy. Suivez-moi. Ah bah c'est un bon jeu si vous connaissez le film. Franchement, si vous connaissez pas le film, vous allez être un peu déboussolé, moi je dis. C'est comme un univers à part entière. Mais tout le monde connaît le film, Jimmy. Ah bah pas tout le monde. 80% hein, de la population. Donc est-ce que 80% des joueurs vont kiffer le jeu? Ah oui, après oui. Et puis en plus, moi je vous le conseille plus en coop qu'en solo, par contre. Ouais. Car en plus, il est assez dur, l'IA est assez, assez difficile. Ils sautent partout, c'est con. Bah vous les avez vus, quoi. Une vraie saloperie, quoi. Voilà, alors c'est vrai qu'il y a les PNJ, mais être à deux, bah c'est vrai qu'il y a quelques fois où on a bien wipé quand même. Oui, en plus et déjà. Y a une on est en phase... difficulté, on est en soldat, on n'est pas en... En plus, voilà. On est pas en difficulté hardcore, quoi. Baissez-vous derrière les rochers et marchez très lentement. Mais c'est vrai qu'on pourrait se le faire du niveau au-dessus quand même, on s'était fait des lignes. Ouais, ouais, mais si je peux dire, parce que je trouve qu'on avance vite quand même. Vas-y, ouais, on va essayer après, on a la moitié du jeu, on va se mettre en mode difficulté le plus difficile après. Parce qu'il n'y a pas de raison, puis des armes, on voit bien quoi. Au moins de monter un cran, ouais, c'est pas plus dur non plus. Mais on va dire, ça fait, moi je dirais que ça fait un peu penser à Space Hulk, bon là on est plus dans les couloirs en intérieur, mais on va prendre des positions, puis on a des vagues de monstres qui arrivent, quoi, et donc voilà, c'est trouver les meilleures poses pour bien les défoncer et pas se faire prendre à revers. Et puis il y a les mitrailleuses qu'on pose au sol, donc comme dans le 2, et puis des batteuses, des lance-flammes, on va dire ponctuelles qu'on chope à certains moments. Et un putain de combat qui sera en vidéo contre ah l'alien. Oui, le robot de chargement, vous y avez droit. Ah ouais. Les robots de chargement, vous y avez droit, comme à la fin du film, c'est beau. Et c'est beau, ouais. C'est, de toute façon, c'est un peu du... c'est un peu juste pour les fans, hein, moi, je trouve. Ouais. Et après, je sais pas, un mec, s'il a pas vu le film, s'il ferait quand même. Mais, ouais. Mais c'est vrai que moi, tout seul, par exemple, je serais pas trop fan, tu vois. Jouer non, tout, ouais, seul, tout seul, avancer avec ouais, les non, PNJ tout seul, et tout... c'est pas fun, c'est moins fun, déjà. J'espère que c'est plus adapté pour la coop. Ouais. Et on peut jouer jusqu'à 4. Donc ouais, c'est bon à savoir. Hey, ils ont scellé. C'est rare les jeux, on peut jouer jusqu'à 4. Aucun Xeno pourrait franchir. C'est clair, bah surtout voilà, en mode coop, en solo, faire la campagne. Surtout pour jouer à Colonial. Ah putain, il y a de la lumière là. Alors on a deux chemins là, je vais checker. Chercher, ouais, bah attends, je suis derrière toi aussi. Ah oui, non, c'est pour une ardeur de merde. Ah, il y avait une plaque, non? Ah, il y a une plaque. Ah, nice. Apon. Ah,
Ah, Apon, on connaît le serveur Apon. Apon, t'es où, mec? Oh, j'ai pris des coups. T'es où? Je prends des coups, mon gars, je prends des coups. Ouais, il reste pas dans la lumière. Oh, et là, je peux pas venir. J'avais pas dit, t'avais tilté il y a un projo. Ouais, la lumière, bah bien sûr, ils l'ont dit. D'accord. Ouais, mais j'ai pas, mon gars, moi. Pas sur... Non, mais vas-y, je suis mort, hein, Jimmy. Ouais, et puis voilà, de toute façon, on a. Ouais, vas-y, t'inquiète, je vais me sur toi. Ton bon bah où pop, Ouais Apon, ouais c'est le sergent carrément. Et ouais. Pousse en boîte les gars. Ah, une vraie bande crash là-bas. Bah voilà. Ouais, et puis avec l'armure full mumu et tout quoi, c'est parti comme en 40. C'est un peu putain, ouais, j'aurais bien qu'il fasse un truc plus hardcore là-dessus. Ouais. Ça aurait été cool, hein. Genre qu'on ait moins de balles et tout, on en chie quoi. Bah on va voir peut-être dans les modes de difficulté. Bah sinon il y a d'autres modes de jeu aussi, tu vois, que l'histoire solo justement, tu vois. Oui, oui, j'ai vu, ouais, il y en a beaucoup. Tu vois, avec les petits DLC. On est arrivé dans... Non, on est arrivé d'en bas, les gars. On est arrivé d'en haut, d'en bas. On est arrivé de là, les copains. Ah non, putain, mon sens... Eh, mais mon sens de l'orientation. Ça te l'a fait tout à l'heure, le sens... On perd le sens de l'orientation, ça. Ouais, bah je retourne dans les sens, je ressens en plus. Putain, là, il y a plein de gens, là. C'est une blague de merde. Putain. Ah, il tire sur les mecs en face, oui, quoi. Putain. Il y en a encore un, mais vas-y, vas-y. Surveille derrière. Non, mais je crois qu'ils vont pas s'arrêter de venir, c'est pour ça que j'avance. Ouais. J'en viens le truc à l'infini, là. Faut pas rêver, c'est impossible de se farcir que blindé juste à nous trois. Ah ça, ça c'est une reine, hein. C'est parti les gars, je passe devant. Je sais même pas ce que c'est, putain, la virée véhicule, quoi, merde. Continuez. Ah non mais mec, on peut pas se battre comme ça, t'as le machin. Ça va être sportif. Regarde. Regarde, c'est ça, quoi. Regarde l'attaque du bordel, toi. Putain, d'accord. Mais il bouge. Vas-y, bouge. Il doit être... On peut pas sortir les armes, là. Ah ouais, non. Ah c'est... On voulait l'achever, mais non, putain. Il y a un mec de la Wayland. C'est quoi le délire là? Je sais pas, faut se cacher. On a bugué ou quoi? C'est la séance d'infiltration. Ah. C'est la séance Assassin's Creed. Hein. On écoute pas le truc, on fonce comme des bœufs. Oh, ils parlent doucement et puis en plus ils nous attendent pas, les PNJ. Et puis on les entend pas, ils parleront pas fort. Ouais, puis on tire comme des bœufs. Hein, ils sont en train de courir derrière, les armes à la main. Ouais. Ah, elle est pas bien, tu m'étonnes. Arrête de dire ça. T'imagines la sensation? C'est clair. Entre tes organes et tout, mon gars, ça doit te faire trop mal. Ah, puis tu vois, tu sens qu'il y a un truc à l'intérieur qui pousse, tu vois ce que je veux dire, ça va être horrible. C'est là, il met pas de fond à venir, le truc. Ah non. On fait quoi? On fait un petit tour s'il y a pas des armes. Putain, on peut pas se... C'est quoi? C'est un bug ou quoi? On peut pas se prendre? Non, ça doit être carrément fait exprès. Alors. Bah oui, il faut regarder vite fait. Non, y'a rien, ouais. Une plaque, une arme. Je vais checker dans les coins. RS. Oh, je suis derrière. C'est le moment drame. C'est le moment drame, à mon avis, ouais, ça se trouve avec Crevella. C'est le moment Prometheus. Prometheus, mais en 10 fois plus gore. Oui, Prometheus, c'était gentil. Ouais, je te vois avec ton pistolet de sortie en fait. Hein, ou, ouais, mais faire, tu le vois en bas et j'ai la main sur l'oreille, non? Voilà. Je suis à l'oreillette, ouais, comme toi. Ah, ça va, là. Oh, on a eu peur, et puis les flingues. Non, c'est pas normal. Allez, on est vraiment dans le truc de la Wayland, ça y est, bah voilà. Ouais. Ah bah c'est la ligne d'isolation, mon gars, là. Ah là, c'est la map des animations, je te jure. Bon, il y a rien, bah, y a un docteur, mais c'est bon. Oh, par contre, alors là, bon... bah là-dessus, par contre, ne regardez pas trop les cinématiques, je sais que ça pique les yeux, mais... Ah ouais, c'est moche. Le frame rate, c'est beau, hein. Ah ouais, non, c'est... C'est 30 FPS, hein, je regarde là, ouais. C'est deux fois moins rapide qu'en jeu. Bella, allonge-toi sur la table. Ouais, et puis c'est vraiment pas très beau, hein, pour les coups de sortir. Il a laissé un bébé dans sa poitrine. Comment on le retire de là? Oh putain, le drame. C'est impossible. Mauvaise réponse. Comment ça c'est impossible? Je vous en prie. Croyez-moi. On a essayé d'extraire la forme de vie en gestation. O'Neill, laisse-le parler. C'est bon. L'embryon extrait des fluides et des nutriments de l'hôte afin de créer un placenta, mais différent de celui des humains. Le placenta est comme une mauvaise herbe qui prend racine dans chaque organe de la cage thoracique. Ah putain. Même si vous réussissez à opérer et à retirer l'embryon, le placenta est comme un cancer. Vos organes finiront par périr l'un après l'autre et...
et vous. Putain. L'explication scientifique vraiment pourrie. Ah mais par contre c'est vraiment une horreur cette mais saleté. C'est vraiment une horreur. Ouais, c'est putain, c'est vraiment une saleté de merde. Assomme-le. Sale créature de merde. Oh, il... Je peux pas. Il fait pas chaud là. Et là c'est l'heure du drame. Ah ouais, il fait pas chaud là, ça y allait pas bien. Une balle dans la tête là. T'as promis. Ouais. Évacue tout le monde. Entre les deux, je préfère une balle dans la tête que qu'elle sorte du vide. Parce que je raconte pas la douleur. Hein. Ah bah voilà, quand ça se met à pousser, non. Ah bah c'est trop tard. Ah, ah. Je vais lui mettre une balle à bout portant. Oh voilà. Ça c'est mon O'Neill. Par contre, Tony il va faire une dépression là, je suis sûr. Ouais, il va faire une méga. Ah non, on a eu peur là. On... Je crois qu'il allait s'en mettre une aussi. J'ai ouais. Dire, bah, regarde son flingue, qu'est-ce qu'il va faire ce. On avait un accord. Ah c'est les vraies marines ça quand même. Mais faut lui mettre, faut lui percer le crâne, sinon elle va se réveiller. Attends, c'est pas Walking Dead. Ici deux en rapport. Vous... Je pense qu'elle se réveillera plus jamais. Oh mon dieu. Elle a un pénis énorme qui lui sort. Nous n'avons pas rentré. Elle m'a toujours excité, mais là. Bah on le savait. Là, j'arrive pas à grimper. Là c'est le pompon, vraiment elle est au top de sa forme. Mais là j'arrive pas à grimper sur le truc pour me frotter là, les cuisses. Ouais, tu voulais le droit aussi. Voilà. Ma croupière dessus. Tant pis. Bon avant que ça parte plus en couille, on va dire un au revoir à YouTube. Ah oui c'est vrai, on est sur YouTube. Mais on va faire d'autres vidéos, ce sera plus intensif. On va filmer, on prendra les passages intenses. Ouais. Puis on vous dit au revoir et on vous fait plein de bisous et puis ce jeu est très bien. Achetez-le voilà. Et puis faites de la coop avec votre voilà ouais. Juste avec une personne au pire, bah c'est vraiment très très sympa quand on se marre bien. Ouais. Allez bah des bisous, à très bientôt. Allez ciao bande de grimpeurs.